L'EID Méditerranée, depuis 2015, accueille des volontaires du service civique. On leur propose, au cours de leur mission, de sensibiliser le maximum de personnes à la problématique du moustique tigre. Donc, leur mission va consister à animer des ateliers ludiques auprès d'enfants, dans les écoles et dans les centres de loisirs. Et ils participent aussi à des stands informatifs auprès du tout public sur des manifestations du type fête de la nature, fête des associations. Voilà. L'EID Méditerranée, par l'intermédiaire du dispositif du service civique, offre la possibilité aux jeunes d'expérimenter le monde du travail, de découvrir aussi la fonction publique, de gagner de l'aisance et de la confiance en soi, de savoir s'exprimer devant un public. Donc généralement, ils ressortent d'un service civique différent du début. Les volontaires ont la chance d'avoir une personne dédiée à la fonction de tuteur et de coordinateur du projet service civique. C'est moi la tutrice. Du coup, je les accompagne tout au long de leur mission et je veille à ce que donc, tout se passe bien. Et mon objectif, c'est de faire en sorte que leur mission soit la plus riche possible pour les jeunes et pour la structure, donc pour l'EID Méditerranée. Parce que c'était une structure qui avait des valeurs environnementales, donc j'aimais bien ce concept. Et également, parce que le fait de pouvoir faire des ateliers avec les enfants, je me suis dit que ça pourrait être utile pour m'apprendre à m'exprimer devant un public, à gérer des groupes. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Alors, la nature de ma mission, c'était de sensibiliser divers publics sur la problématique du moustique tigre. Ce que j'ai plus apprécié dans le service civique, c'est que j'ai pu entrer au laboratoire. Donc c'était pas la mission principale, mais c'est quand même quelque chose que je voulais essayer, on m'a permis de le faire. Donc ça m'a vraiment ouvert la possibilité d'essayer de nouvelles choses et surtout j'ai pu lancer une idée qui a permis d'ouvrir un nouveau projet. Donc une nouvelle forme de montage de moustiques qui pourra être montrée au public. Alors, ça m'a aidé à préciser mon projet d'avenir, en effet, parce que je me suis inscrit dans une formation CAP Petite Enfance, vu que travailler avec les enfants, c'était un plaisir pour moi et je trouve que j'aimerais continuer là-dedans. Surtout, n'hésitez pas à communiquer entre vous, parce que sinon, ça peut créer des tensions. Enfin, et on n'est pas là pour ça, on est là pour que ça se passe dans la bonne humeur et... Normalement, ça devrait bien se passer. Thank you.